Ce soir, c'est le premier concert du nouveau festival Musique d'aujourd'hui à demain, qui est créé par une coproduction entre l'Opéra de Nice et le Musée national Marc Chagall. Et ce festival, c'est une fête. D'abord, c'est un anniversaire. Ça fait 15 ans que le Musée national Marc Chagall et l'Opéra de Nice collaborent. Ils ont créé ensemble des dizaines de concerts, tous plus extraordinaires les uns que les autres. Et avec l'arrivée du nouveau chef, nous avons une nouvelle proposition sur 6 concerts proposés, des musiques du XXe siècle et des musiques du XXIe siècle. Donc la création qui est devenue classique, comme Chagall, est aujourd'hui un classique, et les créateurs de notre temps. Dans ce cadre absolument privilégié, derrière moi, les vitraux de Marc Chagall créés pour cette salle de concert promet d'être un événement magnifique. On présente un programme de musique inspiré des musiques populaires en fait de l'Est de l'Europe, autour des musiques populaires roumaines, hongroises, tziganes. Il y a vraiment un thème précis pour les concerts, donc c'est quand même différent. Après, jouer dans un musée, voilà, même si c'est pas nouveau, c'est toujours un plaisir parce que voilà, c'est un cadre magnifique. Là, on est entouré par les vitraux de Chagall. C'est vraiment de mêler les arts, les différents arts comme ça. C'est quelque chose que moi qui me touche personnellement d'ailleurs, parce que j'ai toujours aimé ça, je me suis toujours intéressée aux autres arts. Et vraiment de les réunir comme ça, la musique, la peinture, c'est vraiment quelque chose qui est très touchant pour beaucoup de monde, je pense.